Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous êtes bien sur le webinaire qui va bientôt commencer sur les masques. Webinaire proposé par AST67. Il est 14h28. Vous êtes un peu plus de 220 personnes connectées. Nous attendons un peu plus de 500 personnes. Je vous propose qu'on attende évidemment quelques instants. Nous sommes un petit peu en avance. Le temps que tout le monde se connecte, que tout le monde s'installe confortablement, peut-être même avec un petit café. Donc, vous êtes bien sur le webinaire consacré aux masques et soyez les bienvenus. Bonjour à tous. Alors, je vois des petits messages qui arrivent sur le côté pour nous dire bonjour, merci, bonjour à tous. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde nous entend bien et que vous arrivez à vous connecter. Bonjour, bonjour. Alors, première question, est-ce qu'on peut nous parler? Vous pouvez seulement nous écrire. Je vais vous expliquer les règles du jeu quand je vais commencer quand on va lancer le webinaire. Mais vous ne pourrez pas prendre la parole, on ne pourra pas vous entendre. En revanche, on pourra vous lire, évidemment. On a des bonjours jusque de Nantes. Alors, bonjour Nantes. Je vous propose qu'on attende encore quelques instants. On ne va pas tarder à commencer ce webinaire qui sera donc consacré aux masques. Alors vous avez bien compris comment fonctionne l'utilisation des questions sur le côté. Formidable. Alors, on va vous expliquer hein, dès le lancement comment ça fonctionne et comment on va s'y prendre aujourd'hui sur ce sujet. Encore quelques instants que tout le monde arrive à nous rejoindre. Comme dit précédemment, on attend plus de 500 personnes. Vous êtes déjà un peu plus de 300 à être connectés. Je propose qu'on attende encore 2-3 minutes le temps que tout le monde arrive, histoire de ne pas rater le départ. Bonjour du Sud-Ouest, hein, super. Bonjour David de Dorlisheim. Super. Encore un petit peu de patience. Alors, si vous nous entendez très mal, pour répondre à Martine, peut-être cela vient-il du volume de votre son, peut-être cela vient-il de votre réseau. Deux cents personnes derrière un seul outil du côté de l'autre bout du monde. Bonjour de Strasbourg. Encore quelques instants avant de commencer. J'espère que tout le monde arrive à bien se connecter. Voilà, pour le son, on me dit que parfois il faut autoriser le son sur le navigateur, souvent en haut à gauche dans la barre d'adresse. Merci Damien, je pense que c'est Damien. À droite, pas à gauche. On me donne de fausses informations. Encore quelques instants et puis on va commencer. Bonjour de l'Isère, très bien, bonjour, service de santé au travail Nord-Isère. On est heureux de vous accueillir parmi nous aussi.
On va attendre un petit peu que tout le monde arrive à se connecter. Et puis, on va pas trop tarder quand même. Le bonjour Dumont. Bonjour Nicolas Dumont. Contente de voir que ce webinaire intéresse indépendamment des régions. Bonjour de Metz. On va vous expliquer toutes les différences pour répondre à Sandrine. Vous vous posez déjà des questions. On va répondre au fur et à mesure du webinaire. Écoutez, on est près de 350 maintenant. Je propose qu'on commence tout de suite. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire qui vous est proposé par Alsace Santé au Travail, l'un des services de santé au travail du Bas-Rhin. Donc, nous attendons aujourd'hui un peu plus de 500 personnes à ce second webinaire qui est donc consacré au masque. Donc, parmi vous, des entreprises adhérentes, d'autres non. On a vu d'autres services de santé au travail également, des professionnels, des particuliers, je n'en doute pas, pas d'inquiétude, puisque les informations que nous allons vous donner ne font évidemment pas cette différence-là. Ce qui nous réunit aujourd'hui, ce sont les questions que nous nous posons et les réponses que nous attendons tous. La France est sortie de son déconfinement après une période de 2 mois que nous avons tous vécu différemment. Certains au travail en entreprise, d'autres en télétravail, d'autres en activité partielle. En tant que chef d'entreprise, en tant que RH, en tant que salarié et tous en tant que citoyen. Donc aujourd'hui, la question se pose de savoir quel masque faut-il porter. Déconfinement ne doit pas être synonyme de relâchement, bien au contraire. Nous allons nous retrouver rapidement tous au travail, dans les transports en commun, dans la rue, dans les magasins, dans nos familles, chez nos amis. Et c'est le moment de savoir comment bien utiliser ce masque dont on nous parle tant. Je me présente, je suis Gaëlle Faure, responsable communication à AST 67. Et avec nous cet après-midi, docteur Michel Weber, médecin du travail à AST 67, et Emmanuelle Rollès, intervenante en prévention des risques professionnels. Alors, pour ce qui est des questions, vous allez pouvoir poser des questions tout au long de l'intervention sur la colonne de droite. Et Marlene Geiger, notre ingénieure risque chimique, est dans les starting blocks pour répondre au fur et à mesure de vos questions. Évidemment, elle ne pourra pas répondre à toutes vos questions, que j'imagine nombreuses déjà. Mais enfin, je pense qu'elle pourra répondre à un certain nombre. Et puis surtout, on aura à la fin de cette intervention, pardon, un temps d'échange, un temps de questions-réponses. Des sondages, peut-être, durant ce webinaire aussi. Vous verrez apparaître un petit carré de couleur à côté de l'onglet sondage. Pensez à répondre au sondage pour y participer. Eh bien, écoutez, c'est parti. Porter un masque pour lutter contre le Covid, c'est maintenant. Sérieux? Voilà, bonjour. Nous allons donc vous parler essentiellement cet après-midi des masques. En fait, je refuse pour ma part de parler des masques tout seul. C'est pourquoi vous aurez droit quand même à une première intervention pour rappeler encore une fois comment se transmet le virus et vous expliquer la place du masque dans la stratégie. Nous vous expliquerons ensuite comment se protéger, les différents types de masques, les 4 étapes pour une bonne utilisation du masque, où se les procurer. Nous allons essayer de vous donner des réponses concrètes aux problématiques que vous avez. Nous allons vraiment essayer d'être complets. Et évidemment, à la fin, vous pourrez poser des questions. On essaiera de répondre aux questions spécifiques par la suite. Gaëlle a juste oublié de dire que la vidéo sera, je crois, disponible d'ici quelques jours, le support aussi. Évidemment, c'est enregistré, hein, puisque le webinaire sera, merci de le préciser, en replay sur notre site internet. Le support sera également en téléchargement sur notre site www.ast67.org. Et l'intervention va durer environ 1 heure, 1 heure 10. Voilà, merci Gaëlle. Alors, nous allons donc revenir encore une fois sur une petite leçon sur comment se transmet le virus.
Parce que voilà, comme je vous l'ai dit, je refuse de parler de masque sans parler du reste. Toutes les communications autour du masque et qui traitent isolément du masque ont le don de m'irriter parce que focalisent la problématique et l'attention sur le masque, alors que le masque tout seul n'est pas une solution. Voilà donc pourquoi je vais insister. Donc je vous rappelle comment se transmet le virus. Le virus se transmet, vous l'avez tous entendu, hein, par contact direct, puisque quand nous expirons, quand nous parlons, nous émettons tous. Alors maintenant, c'est devenu des gouttelettes infectieuses. En vrai, dans le langage courant avant coronavirus, ça s'appelait des postillons, hein, mais c'est la même chose. Donc, nous émettons des gouttelettes. Et le virus se transmet donc par la projection de ces gouttelettes en face à face pendant au moins 15 minutes. Si on est en face à face pendant au moins 15 minutes avec quelqu'un, il y a un fort risque, si cette personne est infectée, d'inhaler du virus et d'être exposée au virus. Le deuxième mode de contamination, c'est la surface inerte. En pratique, ces fameuses gouttelettes que nous émettons, elles vont évidemment se déposer et contaminer nos interlocuteurs s'ils sont en face de nous, mais elles vont également contaminer les surfaces inertes qui sont autour de nous lorsque nous parlons, lorsque nous expirons. Et donc, ces surfaces inertes peuvent conserver du virus actif pendant une durée qui est variable selon la nature de la surface. On vous a mis un petit tableau sur des durées approximatives parce que vous vous doutez bien que tout cela reste encore très, très, très théorique. Sur la peau, c'est quelques minutes. Dans l'air, dans certaines conditions, ça peut rester pendant quelques heures. Sur des pièces de monnaie, sur du métal, ça reste plus longtemps. Le virus resterait a priori actif pendant 12 heures sur les vêtements, pendant 24 heures sur du carton ou du papier, pendant 2-3 jours sur du plastique ou de l'acier. Donc, ces gouttelettes et ces particules, le virus persiste pendant un certain temps. Et en touchant cette surface contaminée, nous allons transporter du virus via nos mains sur d'autres surfaces. En touchant une première surface contaminée, on va transporter le virus sur d'autres surfaces. Petit problème technique. Comment se transmet donc ensuite le virus? Eh bien, ce virus, une fois sur nos mains, peut donc être transporté sur d'autres surfaces et par là même continuer de contaminer d'autres personnes. Ou alors, nous allons nous-mêmes, de par nos mains, nous contaminer en portant les mains à notre visage. En moyenne, alors on considère que la main entre en contact avec le visage de manière inconsciente, évidemment, jusqu'à 3000 fois dans la journée. Les portes d'entrée pour le virus sont le nez, les yeux et la bouche. Il faut donc évidemment éviter de se toucher le visage, mais comme je vous l'ai dit, c'est très inconscient comme geste. Donc, le masque fait partie d'une espèce de triade gagnante, mais avant le masque, le premier élément de cette triade, c'est le lavage des mains. C'est pourquoi nous insisterons tout à l'heure lourdement sur le lavage des mains, puisqu'il faudrait laver ses mains à chaque fois qu'on a touché une surface inerte susceptible d'être contaminée. Ce lavage de mains va déjà permettre de diminuer de manière très importante le transport du virus et des gouttelettes. La deuxième mesure barrière, je crois que j'y viens plus tard, non, nous ne l'avons pas mis cette diaporama, la deuxième mesure barrière, c'est la distance. La distance, alors on parle de distanciation sociale, maintenant il devient politiquement correct de parler de distanciation physique. Moi je dirais retenez distance, il est important de rester à une distance de plus de 2 mètres des personnes. Et ces deux moyens sont les premiers que nous devons mettre en œuvre, le masque ne venant qu'en troisième. Et ce trio a prouvé pouvoir, l'association, gestes barrières, lavage des mains, distance et masque a prouvé sa capacité de diminuer le risque d'épidémie et de diminuer la circulation du virus. Donc, comment se protéger? Oui, je pensais bien qu'elle était là, cette diapo. C'est donc appliquer une distanciation, une distance. Retenez distance, ne retenez pas la suite de 2 mètres entre 2 personnes. Se laver régulièrement les mains, vous connaissez la suite, tousser, éternuer dans son coude ou dans un mouchoir, utiliser pour se moucher un mouchoir à usage unique qu'on jette immédiatement après usage, saluer sans serrer la main, éviter les embrassades, éviter les contacts rapprochés. Le masque est donc une protection complémentaire aux deux autres, à la distance et au lavage des mains. Le port de masque est obligatoire. À notre sens, et vraiment
absolument obligatoire et nécessaire lorsque la distanciation physique ou sociale ne peut pas être respectée. Dans certaines professions, dans certaines situations, on ne peut pas faire autrement que de s'approcher à moins d'un mètre des collègues ou le plus souvent des patients. C'est clairement dans le soin, dans l'aide à la personne, dans des tâches comme des activités comme la coiffure et l'esthétique, on ne peut pas faire autrement que d'être à moins d'un mètre de la personne. Et dans ce cas-là, le port du masque pour les deux protagonistes est indispensable. Et par ailleurs, vous avez tous suivi le débat, évidemment, lorsque des mesures spécifiques l'imposent dans les transports publics, le masque est devenu obligatoire. Certains commerces peuvent le rendre obligatoire également par voie de règlement intérieur. Certaines entreprises peuvent le rendre obligatoire. Donc, dans ces cas-là, le port de masque est obligatoire. Il est fortement recommandé, lors de toute sortie, pour aller faire ses courses, pour aller en promenade, sauf à aller vous promener seul dans la forêt, vous n'avez pas la certitude que vous n'allez pas à un moment ou à un autre être en contact à moins d'un mètre avec quelqu'un d'autre. Donc, il est vraiment recommandé aujourd'hui de porter ce masque quasiment en permanence. Nous recommandons également maintenant, avec le recul, des choses qu'on ne recommandait pas forcément au début de l'épidémie parce que voilà, les choses sont allées très vite. C'est au sein des foyers de personnes vulnérables. Les personnes qui sont à haut risque de Covid grave, c'est des personnes qui ont des états de santé qui les rendent fragiles au Covid, sont aujourd'hui confrontées au fait que, avec la levée du confinement, l'entourage va éventuellement sortir plus souvent, etc., être à nouveau en contact, retourner au travail. Dans ce cas-là, il est vraiment recommandé, quand il y a une personne vulnérable dans le foyer, de porter un masque à la maison pour éviter de contaminer cette personne vulnérable. L'autre intérêt subsidiaire du masque est qu'on a moins le geste réflexe de porter ses mains à son visage lorsqu'on porte un masque. Donc, de 3000 fois par jour inconsciemment, on passe à moins de risques de gestes on va dire, dangereux. Dernier point sur la question du port de masque et de l'intérêt du port de masque quasiment en permanence, c'est qu'aujourd'hui, il va y avoir une nouvelle stratégie de dépistage et de lutte contre l'infection, qui est de dire que si une personne est malade, on va rechercher ses sujets contacts autour de la personne et sont considérés comme sujets contacts d'une personne malade et donc susceptibles de pouvoir développer la maladie et donc de faire même l'objet de mesures d'isolement dont vous avez entendu parler dans les médias, toutes les personnes qui auront été dans les 48 heures précédant l'infection en contact à moins d'un mètre pendant plus de 15 minutes sans que les deux personnes ne portent de masque. Et puisque cette définition a été retenue, ça veut bien dire quelque chose. Ça veut bien dire que si vous avez été en contact sans masque avec quelqu'un qui par la suite développe une infection, vous êtes à risque de la développer vous-même, alors que si les deux personnes portent le masque, ce risque disparaît. Il faut donc vraiment s'astreindre pour les semaines, pour les mois à venir, si on veut parvenir au bout de cette épidémie, à porter les masques de manière beaucoup plus régulière. Alors, le masque n'est donc qu'une protection complémentaire. Emmanuel reviendra largement sur les différents types de masques, mais tous les masques ne protègent pas de la même manière. En entreprise, c'est à l'employeur de faire une évaluation des risques professionnels, donc analyser les circonstances dans lesquelles son salarié ou ses salariés vont être exposés au risque et de rechercher à partir de là quelle est la meilleure protection à proposer. Emmanuel reviendra vraiment sur le sujet. Et encore une fois, je vous le répète, ce n'est pas parce qu'on porte un masque qu'on est protégé. On est protégé si on associe la triade, distance, lavage des mains, masque. Le masque à lui seul ne vous protège pas. Merci, docteur Weber, pour ces rappels sur les gestes barrières et puis pour toutes ces nouvelles informations. Je crois que le message clé, évidemment, c'est que le masque n'est que complémentaire à tout le reste, hein, finalement, à la triade dont vous venez de parler. Donc, merci. Emmanuel, pouvez-vous nous expliquer les différents masques utilisables aujourd'hui ? Alors, effectivement, il existe plusieurs types de masques et je vous propose que nous les voyons ensemble sans plus tarder.
Alors, le masque chirurgical est un dispositif médical qui répond à la norme NFEN 14683. Il est destiné en priorité aux professionnels de santé ainsi qu'aux professionnels particulièrement exposés, comme par exemple les services d'aide à domicile, le transport sanitaire ou encore les dépanneurs intervenant par exemple chez une personne à risque ou malade. Le masque chirurgical protège à la fois le porteur et l'entourage contre les projections de particules ou gouttelettes de 3 microns. Alors, un micron, c'est un millième de millimètre. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, lorsqu'on tousse, on expulse des gouttelettes d'un diamètre de 5 microns. En revanche, le masque chirurgical ne protège pas contre l'inhalation de très petites particules en suspension dans l'air. Les performances donc, sont variables selon le type de masque, puisque comme vous pouvez le voir, il y a le type 1 qui va filtrer 95% d'un aérosol, le type 2, 98% et le type 2R, 98% et une résistance aux éclaboussures. Le 2 et le 2R sont plus particulièrement utilisés en chirurgie. Concernant la durée du port du masque, elle est de maximum 4 heures. Voilà. Le masque de type FFP maintenant, c'est un équipement de protection individuelle qui doit être conforme à la norme NFEN 149. Il est destiné en priorité et aux autres professionnels selon les risques d'activité, puisque l'employeur devra établir l'évaluation des risques et déterminer quel est le masque qui protège le mieux son salarié. Donc, en l'occurrence, un masque de type FFP protège contre l'inhalation de gouttelettes et aussi des particules en suspension dans l'air, puisqu'il filtre jusqu'à 0,6 microns. Les performances également sont variables selon le modèle. Le FFP1, par exemple, filtre 80%, le FFP2, 94% et le FFP3, 99%. Une précision concernant les masques que vous avez pu voir avec une valve ou une soupape donc à l'avant, ils sont protecteurs pour celui qui porte le masque. En revanche, pas pour l'entourage, puisque l'air expiré par le porteur va passer à travers la valve. La durée pour ce type de masque est de 8 heures maximum. Voilà. Maintenant, pour faire face évidemment à la pénurie de masques, une nouvelle famille de masques de protection est née. Ce sont les masques alternatifs à usage non sanitaire dit grand public. Ils ne sont ni soumis à autorisation ni à homologation, mais doivent respecter les spécifications du cahier des charges élaboré par la NSM et la FNOR. Alors, il existe deux catégories pour les professionnels et à la fois justement pour les particuliers, hein, pour répondre à la demande. Donc, la catégorie 1 est une protection pour les personnels affectés à des postes ou missions comportant un contact régulier avec le public, comme par exemple les vendeurs dans les commerces, les agents de sécurité, le professionnel de la petite enfance, les enseignants, etc. Pour les particuliers également, on l'a vu avec Dr Weber, il devient obligatoire, notamment lorsque vous empruntez les transports publics, mais également dans le cadre de covoiturage ou lorsque vous-même, en tant que client, vous entrez dans les magasins et que le commerce vous oblige à porter un masque. Donc, cette protection est en mesure d'arrêter 90% des particules de 3 microns émises par le porteur. Elle a également une durée de port maximale qui est de 4 heures. La catégorie 2 est une protection pour les personnels qui ont des contacts occasionnels avec d'autres personnes dans l'entreprise ou d'un même service. Il s'agit de protéger l'ensemble d'un groupe qui porte ce masque. Donc, ce masque va filtrer 70% des particules de 3 microns émises par le porteur. La durée du port du masque est limitée, là aussi, à 4 heures. Alors, un point également sur les masques barrières confectionnés artisanalement. Donc, depuis le 26 avril, l'État impose la réalisation d'un protocole de test de respirabilité et de filtration avant de mettre en vente les masques dits grand public. Une fois les tests réussis, par un tiers compétent bien sûr, deux indications peuvent figurer sur l'emballage. La filtration garantie,
les 90% ou les 70% dont j'ai parlé à l'instant, et le logo également testé X lavage, puisque ces masques en tissu ont la particularité justement d'être lavables. Dans la mesure où les masques artisanaux ne sont pas testés par un tiers, ils ne peuvent pas utiliser les pictogrammes, mais doivent mentionner par contre que les spécifications AFNOR sont bien respectées. Dr Weber souhaite justement ajouter un point de vigilance concernant les masques artisanaux. Oui, je tenais à ajouter un petit point de vigilance par rapport à ces masques grand public. Vous avez vu aujourd'hui donc qu'il y aura des logos sur les masques. Ces logos signifient que le masque a été testé par un laboratoire de la DGA pour garantir à la fois son efficacité en termes de filtration et sa résistance au lavage. Une norme AFNOR a donc été édictée qui indique précisément comment fabriquer ce masque, quelle dimension il doit avoir, le nombre de couches de tissu et définit un petit peu quels types de tissus peuvent être utilisés. Alors, je voulais attirer l'attention sur deux points. C'est que pendant la crise et au début de la crise et compte tenu de la pénurie et de la situation d'urgence dans laquelle on était, il y a eu fabrication de masques artisanaux, évidemment pas par des industries qui se sont lancées dedans par la suite, mais ces masques, pour la plupart, n'ont pas été fabriqués selon la norme AFNOR au départ. Il convient donc aujourd'hui d'être très 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 vigilant par rapport à ces masques qui ont pu être fabriqués au début, puisque la norme AFNOR impose quand même des éléments importants et ces masques-là ne satisfont pas à la norme AFNOR. Il faut maintenant, je sais que ça va faire... ça va rendre triste un certain nombre de belles mamans qui ont cousu des masques. On m'a déjà dit lors du dernier webinaire que ça allait provoquer des drames familiaux, mais il faut remiser ces masques au placard. Les masques doivent être maintenant, pour qu'on soit certain de leur efficacité, doivent avoir cette norme AFNOR. Je sais que les couturières artisanales qui sont des petites entreprises qui n'ont pas les moyens de faire tester leurs masques par la DGA sont actuellement en train de se fédérer pour obtenir elles aussi le droit d'apposer sur les masques qu'elles fabriquent une espèce de logo qui prouve que les masques qu'elles fabriquent elles sont conformes à la norme, donc utilisent la qualité de tissu nécessaire ou les dimensions nécessaires. Donc je vous ai pris deux masques pour vous montrer un petit peu quand même la différence. Je pense que c'est vraiment important de faire attention à ça. Un masque qui a une norme AFNOR va avoir une dimension de 20 cm au moins, va être au minimum à double épaisseur, avec pour la plupart même la possibilité d'insérer un filtre. Dans certains cas, le filtre est même cousu dans le masque et le masque devient un masque à triple épaisseur. Il doit être muni d'élastiques pour pouvoir l'ajuster correctement sur le visage. On viendra tout à l'heure sur la manière de porter le masque. Il doit à l'intérieur contenir un petit système qui permet d'y glisser une barrette nasale. Là aussi, on vous expliquera tout à l'heure à quoi sert la barrette nasale. Elle sert à ajuster le masque sur le nez. Ces masques-là pourraient quasiment aujourd'hui avoir un logo, à condition que les tissus utilisés répondent à un certain nombre de normes de grammage, de tissage. Et c'est sur ça que les couturières artisanales sont en train de se battre, parce que je pense qu'elles sont tout à fait capables de continuer de fabriquer des masques et de les vendre en ayant cette spécificité AFNOR. Je vous invite à faire attention, puisque j'ai pu récupérer des masques qui sont distribués. Et là encore, je ne jette la pierre à personne. Je sais que les collectivités locales, notamment, ont été vraiment dans l'urgence, ont essayé de faire au mieux pour fournir des masques à tout le monde avant le 11 mai et que ça n'a pas été vraiment possible pour toutes les collectivités locales. Je sais qu'ils sont encore tous sur le pont à la recherche de masques normés, mais certains ont... En attendant, dans l'urgence, et parce qu'il fallait faire quelque chose avant la date du 11 mai, distribuer des masques à leurs administrés. Et je vous ai ramené un masque, voilà, qui a été distribué par une collectivité locale. Ce masque n'est pas conforme. Ce masque fait 14 cm et non pas 20, ce qui est le minimum. Il a des lanières en tissu. On n'ajuste pas correctement un masque avec des lanières en tissu qu'on noue derrière sa tête. Ça glisse. Il n'a pas de barrette nasale. Il est conçu dans un tissu dont on voit que, en principe, c'est du coton non tissé. Là, on voit très bien que le tissage est très large, que donc les mailles du tissage laissent passer forcément de l'air, heureusement de l'air, oui, mais des particules forcément plus grosses que ce qui est nécessaire.
je conçois que les collectivités aient fait des choses pour répondre dans l'urgence à la situation, mais il faut vraiment se méfier et faire très attention. Même si c'est arrivé dans votre boîte aux lettres avec un petit mot de Monsieur le maire, ça ne veut pas forcément dire que le masque est normé. Et d'ailleurs, la preuve, il ne porte pas de logo. Moi, je suis très inquiète par rapport à ça, puisqu'en particulier dans cette collectivité-là, le masque a été distribué aux personnes vulnérables. Et donc, une personne vulnérable, une personne de 80 ans qui sort avec ce masque-là n'est pas protégée. Il vaut mieux qu'elle ne sorte pas plutôt que de sortir avec un masque qui n'est pas normé. Donc, faites attention. Le logo, aujourd'hui, c'est le seul moyen de savoir que votre masque est effectivement normé à AFNOR. Et j'espère effectivement que pour les petites couturières indépendantes qui font leur travail correctement, elles puissent obtenir, elles aussi, d'apposer un logo pour qu'on puisse avoir aussi le choix de ces masques. Voilà, donc triple épaisseur, tissu particulier, élastique, barrette nasale. Très bien. Continuez, bien sûr, les différences toujours entre masques et puis également visière ou écran facial. L'écran facial est justement un complément utile, mais il faut savoir que c'est une protection des yeux et du visage. Donc, il doit être donc, selon la norme EN 166. Donc, il permet de stopper effectivement les projections directes de gouttelettes ou de postillons de l'intérieur vers l'extérieur et vice-versa. Il a l'avantage d'être facile à porter de façon permanente. Il limite le risque de se toucher le visage avec les mains. Il facilite les échanges sociaux et la compréhension de la parole car le visage reste visible. En revanche, il n'a pas l'efficacité de filtration des masques. Donc, il ne se substitue pas à l'utilisation d'un masque de protection respiratoire. Alors, dans certains cas, on vous proposera, par exemple, de porter une visière et un masque. Sauf, bien sûr, dans les situations où le port du masque est contraignant. Dans ce cas-là, vous pouvez toujours demander, bien sûr, l'avis à votre médecin du travail. Comment s'assurer justement que les masques sont conformes à la réglementation? Donc, concernant les masques chirurgicaux, ils doivent absolument avoir sur leur emballage ou sur le masque lui-même le marquage CE, la référence datée de la norme EN 14683 et bien sûr le type du masque 1-2-2R. Pareil concernant le masque respiratoire FFP, vous devez retrouver le marquage CE. Voilà, avec le numéro de l'organisme notifié chargé de suivre la qualité de la fabrication, le numéro et l'année de la norme correspondant au type d'appareil, donc la norme EN 149, et le type de masque, toujours FFP1, FFP2 ou FFP3. Concernant maintenant les masques qui sont dits grand public, ils doivent porter sur leur emballage le logo dont parlait à l'instant le docteur Weber, qui garantit la filtration pour au moins 5 lavages pour ce qui est des masques réutilisables. Alors, ça peut aller jusqu'à 10, 20, 30, voire 50 lavages. L'indication aussi des performances de filtration doit être indiquée sur le masque ou sur l'emballage. La performance de filtration, donc c'est les 70% à minima pour la catégorie 2 et 90% pour la catégorie 1. Et avec le masque, vous devez avoir obligatoirement une notice qui va indiquer justement la méthode de lavage, mais on y reviendra après dans le détail. En tous les cas, une notice doit être également fournie avec le masque. Donc là, pour savoir, donc justement pour vous aider dans le choix de votre masque, nous avons dans ce tableau toutes les informations utiles. Voilà. Merci Emmanuel. Alors je rappelle à tout le monde que le diaporama sera disponible sur notre site internet pour les questions qui arrivent sur le sujet. Merci Emmanuel. Je crois qu'on a compris maintenant, je l'espère en tout cas, la différence entre les différents masques. Docteur Weber, est-ce que vous voulez maintenant nous préciser comment bien les utiliser? Alors, nous allons vous expliquer les conditions pour l'utilisation, la bonne utilisation d'un masque. Alors, en entreprise, puisque je pense qu'il y a du grand public devant ce webinaire, mais notre cœur de cible, c'est quand même la question de l'entreprise. En entreprise, il faut commencer vraiment par expliquer les enjeux de santé aux salariés. Ce que j'ai expliqué au début, c'est-à-dire que si les deux personnes portent un masque et qu'elles
qu'elles entrent en contact. Les deux sont protégés en principe si les masques sont conformes. J'ai vu passer une question sur la distance d'un mètre. La distance d'un mètre est celle qui est recommandée effectivement par le gouvernement, par toutes les autorités. Voilà. Et nous, nous disons deux, oui, voilà, parce que les médecins du travail sont peut-être un tout petit peu plus prudents et un tout petit peu plus exigeants. Et en entreprise, je vous encourage vraiment à mettre en place plutôt, si vous le pouvez, cette distance de 2 mètres plutôt que d'un. On n'est jamais trop prudent. Il faut donc expliquer aux salariés l'enjeu. L'enjeu étant de lutter contre l'épidémie, l'enjeu étant d'éviter qu'ils soient malades et leur expliquer pourquoi subitement on va leur demander de porter un masque alors qu'il y a 6 semaines, on leur disait on n'a pas assez de masques pour tout le monde. Voilà, donc il faut informer le personnel sur la mise en place du masque. On va tout vous expliquer sur les conditions, la durée du port, le retrait, l'élimination. Il faut vraiment donner ces informations et les répéter parce que nous sommes partis pour plusieurs semaines. Peut-être même quelques mois de port de masque et que les habitudes se prennent et se reperdent assez rapidement. On conseille alors en entreprise, quand on fait des formations sur le port du masque, sur d'autres sujets également, de conserver des fiches de présence pour tracer qu'on a bien informé telle ou telle personne et que tel salarié a bien eu l'information. Et également, dans certaines entreprises, on trace les dotations. Quand on donne tant et tant de masques, on trace qu'on a donné tant et tant de masques à telle personne. Nous vous conseillons également d'apposer des affiches dans les espaces de travail, de diffuser des tutoriels. Vous pourrez diffuser notre diaporama puisqu'il sera disponible. Dans les grandes entreprises, désigner des personnes référentes pour gérer le stock de masques, former le personnel, rappeler les consignes au fur et à mesure, communiquer. C'est vraiment important de mettre ces choses-là en place et d'une manière évidemment différente selon la taille de votre structure. Mais il faut absolument suivre ce dossier. Il va falloir le suivre pendant quelques temps. Alors, les 4 étapes pour la bonne utilisation du masque, vous allez retomber sur ma dernière passion, l'hygiène et le lavage des mains. Voilà, je suis devenue complètement paranoïaque sur cette affaire-là, mais ma foi, on va en reparler. Donc, on conseille, vous l'avez entendu, de se laver les mains avec du savon. Surtout, voilà, le savon, l'eau, lorsqu'on a accès à un point d'eau, c'est parfait et ça suffit. Éviter peut-être les savons, les pains de savon qui traînent et que plusieurs personnes peuvent utiliser, sauf éventuellement en famille, mais encore préférer du savon liquide qui soit dans un petit distributeur ou avec un petit flacon poussoir, et donc se laver les mains. On reviendra sur la technique de lavage des mains. Le gel hydroalcoolique, c'est seulement quand on n'a pas le moyen de faire autrement, c'est-à-dire quand il n'y a pas d'accès facile à un point d'eau. Dans ce cas-là, on peut utiliser du gel hydroalcoolique, mais le lavage des mains avec le gel hydroalcoolique obéit aux mêmes techniques que le lavage des mains avec du savon. On n'utilise absolument pas du gel hydroalcoolique sur des mains souillées. Si les mains sont souillées, alors on a été bien gore dans notre diaporama, comme des selles de l'urine, mais des traces d'autre chose, de la peinture, n'importe quoi. On n'utilise pas de gel hydroalcoolique sur des mains qui sont souillées. J'ajoute ici aussi, et je vais vous faire un tas d'annonces qui vont vous décourager, coronavirus, ça veut dire fin du vernis à ongles, fin des faux ongles, fin des ongles gel. Il va falloir abandonner tout ça pendant quelques semaines, quelques mois. L'été sera triste, vous pourrez mettre du vernis à ongles sur vos orteils, mais pas sur vos mains. On ne lave pas correctement des mains si on a les ongles vernis, parce que après 15 lavages de mains dans la journée, le vernis sera assez vilain, et sûrement pas avec des ongles en gel. Je suis désolée pour nos adhérentes qui font de l'onglerie. Pardonnez-moi, mais là, je n'ai pas pu m'en empêcher. Voilà une petite vidéo qui vous montre comment se laver les mains. Cette vidéo est assez didactique. Ça, c'est comme on fait d'habitude. D'habitude, on met juste sur la paume de la main. La peinture, donc une fois qu'on a mis sur la paume, on met sur le dos des mains, sur le bout des doigts, les fameux ongles, d'accord, qui ne doivent donc pas comporter de gel. Le pouce, c'est la base du pouce. Voilà. Et on termine par les poignets. Voilà. Je vous ai dit que c'était ma nouvelle passion. Pardon. Je maîtrise mal le diaporama. Voilà, donc après l'hygiène des mains, ça y est, vous avez compris, vous visualiserez les gants bleus dorénavant. Il faut placer son masque, le prendre dans le bon sens, l'ajuster, couvrir nez, bouche et menton. Alors là aussi, nous avons tout détaillé. Il faut commencer par repérer le haut du masque, donc la fameuse barrette nasale ou la partie métallique du masque vers le haut. Pour les masques chirurgicaux, c'est la couleur vers l'extérieur, la surface absorbante blanche est à l'intérieur. Donc, on repère le haut du masque, on repère la barre métallique, on met le masque
sur son nez en saisissant par les élastiques. Merci. Allez-y, Emmanuel, en saisissant par les élastiques. Ensuite, on ajuste son masque sur le nez. On va pincer la barrette nasale en appuyant sur le nez et on va couvrir bien le menton. Alors, on conseille également de tester l'étanchéité en couvrant le masque d'un film plastique et d'inspirer, de vérifier bien que le film plastique se plaque sur le visage. Je dirais que ça, c'est peut-être quand même en option, mais voilà, ces phases-là sont importantes. Vous êtes très, très, très bien avec votre masque et donc avec les lunettes se mettent ensuite au-dessus. Ce qu'il ne faut pas faire, voilà, les lunettes, s'il vous plaît, Emmanuel. Voilà, merci. Donc, à ne pas faire, mettre en position d'attente son masque sur son menton en attendant pour respirer pendant qu'on n'en a pas besoin. Parce que non, vous allez expirer sur votre masque et les fameuses gouttelettes dont je vous ai parlé tout à l'heure, elles vont gentiment se redéposer sur votre masque que du coup, vous pourrez mettre à la poubelle. On ne le met pas non plus sur son front en attendant. Non plus. Il y a une autre, je crois qu'il y a une autre, merci. Je crois qu'il y a une autre vidéo assez sympa qui vient ensuite. Donc voilà, vous avez compris. Apprendre à porter un masque, ça s'apprend. Et donc ça aussi, ça se montre, ça se démontre et ça s'apprend. Ça s'apprend aux salariés, ça s'apprend à ses enfants, ados, ça s'apprend à ses parents quand ils sont un petit peu âgés. Voilà, il faut montrer aux gens comment porter le masque. On voit encore trop de gens se promener avec le masque, avec le masque sous le nez. Une proposition d'affiche que vous trouverez dans notre diaporama qui est plus détaillée, qui concerne plus les chantiers du BTP avec les différents types de masques, mais qui détaille également les mêmes choses que celles que je viens de vous donner. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a mis son masque? On se relave les mains. Hein. Pardon? Non, je croyais qu'Emmanuel avait quelque chose à ajouter. Et pour retirer son masque, donc une fois qu'on l'a posé, on peut se relaver les mains. Pour le retirer, de toute façon, on lave les mains avant de le retirer puisqu'on va toucher son visage. Je vous ai parlé tout à l'heure du fait de toucher le visage et du fait qu'il ne fallait plus toucher son visage aussi souvent. Donc, on se lave les mains selon la même méthode que celle qui a été exposée tout à l'heure. On enlève le masque par les élastiques, on ne touche pas le devant du masque et on se relave les mains après avoir ôté son masque. Voilà, donc encore un résumé, mais on vous a mis aussi parce que ça peut vous servir d'affiche. Hein. Donc se laver les mains, saisir le masque, et pour le retrait, jeter le masque dans une poubelle ou le placer dans un sac plastique propre, zippé, réutilisable. Si on l'a porté très peu longtemps et qu'on veut le réutiliser, on peut le stocker à plat dans un sac plastique zippé et on va pouvoir éventuellement le réutiliser dans la limite des 4 heures. Et évidemment, donc après, on se relave les mains avec de l'eau, du savon, du gel hydroalcoolique. Si vous portez des gants de protection, retirez-les avant de retirer votre masque. Sinon, vous souillez les gants. Si le masque est humide, il faut le remplacer par un nouveau. Donc, on peut conserver normalement 4 heures un masque parce qu'au bout de 4 heures, on considère que c'est qu'il a été humidifié. S'il est humide plus tôt, il faut le changer. On ne réutilise pas un masque souillé et on enlève toujours le masque par l'arrière en ne touchant pas l'avant du masque, qui est l'endroit où les autres vont avoir projeté des gouttelettes. Donc, on ne touche pas l'avant du masque. Voilà, l'élimination ou le lavage du masque, on est vraiment très, très parano, les médecins du travail. Donc, on vous conseille de le jeter dans un double sac poubelle, de conserver le sac 24 heures avant de le jeter, puisque le virus n'est plus actif au bout de 24 heures. Et en cas de déchirure accidentelle du sac, on est sûr que les masques ne sont a priori plus contagieux. Pour le lavage, c'est, je crois, Emmanuel qui reviendra sur ce sujet. Il faut se référer à la notice. Hein. Donc, on jette le masque dans une poubelle. Donc, la poubelle doit être munie d'un sac plastique, de préférence donc un double sac poubelle. La poubelle, je rappelle, elle doit être a priori, et ça devrait être le cas de manière habituelle, une poubelle à pédale, c'est quand même mieux qu'une poubelle dont on soulève le couvercle. On recommande le double emballage. On se relave les mains, on conserve ses ordures 24 heures dans un espace clos avant de les mettre à l'élimination, et on élimine par contre son masque via la filière des ordures ménagères classiques, que ce soit chez soi, en entreprise. En milieu de soins, les consignes d'élimination peuvent être différentes, mais sinon, on l'élimine via la filière classique d'élimination. Ah oui, c'est finalement moi qui parle du lavage, et eh bien très bien. Donc, après utilisation d'un masque réutilisable, on le place donc dans un contenant spécifique, sac plastique propre, zippé, on se lave les mains, on se réfère aux préconisations du fabricant
pour le lavage. Donc, le lavage doit se faire au minimum à 60 degrés parce que c'est à 60 degrés que le lavage est virucide. D'où la question des tissus et des tissus qui ne sont plus utilisables aujourd'hui. Les tissus qui ne peuvent pas être lavés à 60 ne doivent plus être utilisés pour fabriquer des masques. Donc, ça vous donne une indication de pourquoi il faut être vigilant par rapport aux tissus. Il faut donc les laver avec de la lessive habituelle. On peut les mettre dans sa machine à laver avec le reste du linge, à condition évidemment que le linge puisse passer à 60 également. Le cycle complet de lavage doit comporter mouillage, lavage, rinçage. Et il faut laver pendant au moins 30 minutes, au minimum à 60 degrés. Le lavage, c'était déjà mon dada avant, donc je vous rassure, il n'y a que le lavage des mains qui est entré dans mes patients. Le séchage doit être fait immédiatement ou dans les 2 heures après le lavage, dans son intégralité. Alors, les recommandations disent d'utiliser le sèche-linge. Je pense que toutes les familles n'ont pas un sèche-linge à leur disposition. On a regardé un petit peu ce qu'il était possible de faire. Le séchage à l'air libre, ma foi, ne fait pas partie des indications, mais n'est pas franchement contre-indiqué non plus. Donc, si on a un sèche-linge, autant utiliser le sèche-linge. Sinon, il est possible également d'utiliser un sèche-cheveux pour sécher le masque, surtout si on en a besoin rapidement. Parce qu'évidemment, faire tourner une machine pour... juste des masques quand on en a besoin le lendemain, il faut qu'ils soient secs. On a regardé aussi un petit peu les manières alternatives, puisque quelqu'un qui vit seul va peut-être pas forcément faire tourner sa machine uniquement pour laver le linge. Alors désolé, on n'a rien trouvé de très pratique. On a trouvé des choses très intéressantes sur le web, le passer au gel hydroalcoolique ou le mettre au micro-ondes, ça ne marche pas. C'est le lavage à 60. La seule chose, la chose qu'on a trouvée qui soit le moins critiquable, c'est éventuellement de le passer dans une casserole, de le placer à bouillir à 90 dans une casserole avec du savon de Marseille. Il n'est pas indiqué que c'est validé, mais il n'est pas indiqué non plus que ça ne marche pas d'après ce qu'on a pu avoir comme information à ce jour. Alors, du coup, par contre, à 90, les élastiques ne vont peut-être pas forcément tenir. Donc, voilà, à vous de voir. Alors, tous ceux qui sont meilleurs cuisiniers que moi possèdent peut-être un thermomètre qui leur permet de vérifier la température de l'eau. Personnellement, je n'ai pas cet accessoire. Et si vous pouvez laver dans une casserole et contrôler que vous êtes à 60, logiquement, il devrait pouvoir, le masque doit ressortir. Normalement, si vous l'avez mis à 60 pendant 30 minutes, doit normalement être lavé propre. Il est conseillé de le repasser à la vapeur à une température compatible avec le tissu utilisé, mais si c'est du coton, on peut le repasser à la vapeur, ce qui permet de repasser encore une fois et d'avoir encore une action virucide à la fois. Un petit tableau de suivi de gestion et d'utilisation des masques. On vous a dit que les masques sont valables 5, 10, sont lavables, 5 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois. Il paraît qu'il va y en avoir qui seront lavables 50 fois. Et ben, un masque lavable 5 fois peut donc être utilisé 6 fois. Par contre, il faut bien se souvenir et bien noter combien de fois on a lavé le masque. Sinon, au bout d'un moment, vous n'allez plus savoir, et je vous répète, ça va durer des semaines, vous n'allez plus savoir si votre masque est encore valable. Alors, un petit résumé sympa qui provient, alors je crois que c'est d'une vidéo du CHU de Nantes qui vous rappelle un petit peu tout ce qu'on vous a dit et qui, j'espère, va fonctionner. Allons-y. Voilà, on ne se touche pas, on ne s'amuse pas avec les masques des autres, on ne s'en sert pas pour autre chose que pour les mettre, on ne les met pas dans le cou, on ne les met pas sur le front, on se lave les mains. On vous l'a dit, là, ça c'est moi à la maison, on se lave les mains. Pendant 30 secondes, on peut chanter une chanson. Là, ils disent 20, moi je dis 30. On peut chanter une chanson pour les petits. On pose en mettant, donc vous avez vu la barrette nasale, on ajuste sous les lunettes, on ajuste sous les mentons, sous le menton. Voilà, on vous félicite. Et pour boire, voilà. La seule manière, on n'a touché que les élastiques. Donc, voilà. Ça, c'est les gouttelettes qui se sont donc... Vous avez vu, installée sur le masque de sa camarade, elle se touche le visage en ayant descendu son masque et sans s'être lavé les mains. Et hop, le virus est de retour sur son nez. Aucun intérêt. Voilà, pardon, il faut que je l'arrête. Je vais en profiter pour faire peut-être ici ce que je ne voudrais pas oublier de faire, c'est la fameuse pause cigarette. Alors, la pause cigarette, si les gens pouvaient profiter de l'épidémie pour s'arrêter de fumer, ce serait pas mal, parce que vous allez voir, ça va être très dur de faire des pauses cigarettes maintenant.
Pour faire une pause cigarette, il faut donc se laver les mains pendant 30 secondes avec de l'eau et du savon, ce qui vous donne déjà l'occasion de réfléchir à « est-ce que j'ai vraiment besoin de cette cigarette-là maintenant ?» On ne passe pas ses mains au gel hydroalcoolique avant de fumer, puisque le gel hydroalcoolique est sur les mains, et tout de suite après, on va mettre sa cigarette dans sa bouche. Donc, si vous fumez 20 cigarettes par jour, vous risquez avec vos mains de prendre aussi par la même occasion un tout petit peu de gel hydroalcoolique. Ça ne marche pas de manger du gel hydroalcoolique. Donc, pour fumer, on se lave les mains à l'eau et au savon 30 secondes. Ensuite, on enlève le masque comme a montré la dame. On le garde donc sur une oreille et on l'enlève. On fume sa cigarette. Ensuite, on remet son masque et on se relave les mains 30 secondes. Je crois que c'est le temps d'arrêter de fumer. Merci, docteur Weber. Je crois que maintenant, on a bien compris qu'il fallait se laver les mains et se laver les mains suffisamment de temps, qu'il fallait bien porter son masque dans le bon sens. merci, c'était, je crois, très didactique. Emmanuel, maintenant, est-ce qu'on peut faire le point, maintenant qu'on sait comment bien porter son masque, maintenant qu'on sait quel masque porter, et bien maintenant, on les trouve où, ces masques? Eh bien, oui. Où se les... Donc, concernant l'approvisionnement, donc les plateformes, alors le gouvernement a mis en place donc des plateformes dédiées. Donc, on retrouve notamment une plateforme de commande des masques pour les TPE-PME de moins de 50 salariés sur une plateforme de La Poste. Vous trouvez aussi sur stopcovid19.fr pour les PME-ETI et cdiscountpro.com. Alors, vous avez aussi le lien... retrouverez de toute façon après dans le replay, on mettra également le support à votre disposition. Donc sur ce lien de entreprise.gouv, vous retrouvez toutes les entreprises en capacité de vous fournir des masques avec les garanties requises. Donc vous vous souvenez, pour la catégorie 1 et 2, il faut impérativement que la filtration soit indiquée sur le produit ainsi que le logo pour le nombre de lavages réutilisables. Maintenant, pour l'ensemble des personnes, que ce soit particulier ou professionnel, bien sûr, on peut aussi les retrouver en pharmacie, grande surface, tabac presse, mairie, collectivité locale. Mais attention, il faut bien que ce soit des grands publics, catégorie 1 ou 2. Voilà. Alors, concrètement, oui. Donc, concrètement, Emmanuel, combien de masques doit-on prévoir par jour? Oui. Alors, combien de masques doit-on prévoir par jour? Eh bien, 3, tout simplement, des masques grand public, puisqu'ils sont avec une durée de port maximum de 4 heures. Donc, vous devez en prévoir un pour le matin, un pour l'après-midi et un de secours. On ne sait jamais si l'un d'eux est à remplacer avant les 4 heures. Donc, il vaut mieux toujours avoir un masque de secours. Voilà. Merci. Si j'utilise mon masque grand public quand je me déplace ou quand je suis en contact avec des collègues, est-ce que je peux réutiliser le même masque? Alors oui, si. C'est-à-dire la durée du port, on vous l'a dit, est de 4 heures maximum. Durant une période de 4 heures, le masque peut éventuellement servir plusieurs fois s'il est retiré selon les consignes. Stocké provisoirement ou accroché pour offrir le moins de contact possible et toujours Dr Weber, se laver les mains, enlever avec les élastiques, etc. et se relaver les mains. Donc, merci Emmanuel. Les masques grand public de catégorie 1 ou 2 ne garantissent pas 100%. Alors, pourquoi les porter? Alors, aucune... la non-contamination, c'est un ensemble de mesures, la distanciation sociale, donc nous, 2 mètres, nous allons plus loin que les 1 mètre, puisque les postillons peuvent aller jusqu'à 1 m50, bien sûr, les gestes barrières du masque, qui permet, donc c'est tout cet ensemble qui permet la protection. Le masque, rappelons-le, est une protection complémentaire. Très bien. Dans le cadre professionnel, est-ce que je peux continuer à utiliser mon masque fait par Belle Maman? Non, le masque fait maison, non. Il n'est pas conseillé de l'utiliser car tout simplement l'efficacité n'est pas garantie. Seuls les masques testés par un tiers compétent et répondant à des critères de performance de filtration, de respirabilité et garantissant au moins 5 lavages sont recommandés par le Haut Conseil de la Santé publique. Merci. Je pense qu'il y a
revenir après sur le sujet, on y reviendra. Est-ce que le port du masque est compatible avec la barbe ? Alors, bof, bof, non. Alors, désolée pour la mode des hipsters, mais une barbe, même naissante, réduit l'étanchéité du masque au visage et diminue l'étanchéité globale. Donc, selon l'évaluation du risque, la visière, par contre, peut être envisagée, bien sûr. Donc, désolée. Alors, justement, avec la visière, est-ce qu'il faut également porter un masque lorsqu'on est en contact avec le public ou du personnel dans le cadre d'un open space ? Alors oui, si les mesures de distanciation de 2 mètres ne peuvent être respectées. Les visières ou écrans faciaux ne sont pas des équipements de protection respiratoire, mais des équipements de protection des yeux et du visage. Alors, s'ils peuvent protéger les porteurs des grosses gouttelettes émises immédiatement après une toux par une personne à proximité face à l'écran, ils ne permettent pas de protéger des particules restant en suspension. Donc, ils n'ont pas l'efficacité des masques de protection respiratoire. Merci Emmanuel. Les masques ont-ils une date de péremption ? Oui, effectivement, ils ont une date de péremption, donc l'efficacité au-delà de cette date ne pourra pas être garantie. Par contre, en raison de la pénurie que nous connaissons actuellement, le ministère du Travail autorise l'utilisation des masques FFP2 dont la date de péremption n'excède pas 24 mois, à condition bien sûr qu'ils aient été bien stockés et de faire une inspection visuelle. Ah, je ne suis plus là. Allô, allô. Oui, on t'a retrouvé, pardon. Ah, ok, je suis là. Ok, voilà. Donc, les masques qui répondent à des normes étrangères peuvent-ils être utilisés ? Oui, là aussi, en raison de la pénurie, le ministère autorise effectivement que des normes étrangères soient utilisées. Donc, vous pouvez simplement vérifier les références en vous rendant sur le site de l'INRS. Donc, on vous a mis le lien. Ok, merci. Et voilà, ça n'avance plus. On a... Pour sécher mon masque, est-ce que je peux utiliser un sèche-cheveux ? Et alors, j'avais la question en parallèle, ça permettra d'y répondre. Est-ce qu'on peut envisager un séchage au soleil ? Alors, effectivement, le sèche-cheveux est envisageable, mais attention, la mauvaise maîtrise du niveau de température peut dégrader la matière filtrante, surtout si celle-ci est thermosensible. Concernant le séchage à l'air libre, oui, c'est tout à fait possible. Au soleil, bah oui, ça séchera plus vite. Mais en tous les cas, prenez garde quand même à la température concernant le sèche-cheveux. Dois-je désinfecter ma machine à laver après avoir lavé mes masques ? Non. Si vous lavez tous vos masques selon les recommandations des autorités sanitaires, donc à savoir 60 degrés pendant au moins 30 minutes, ce n'est pas nécessaire. Autre question, dois-je laver mes masques tout de suite après leur utilisation ? Non, parce qu'effectivement, on ne va pas faire une machine. Vous pouvez effectivement regrouper les lavages. Donc, l'essentiel, par contre, c'est de bien stocker vos masques que vous avez utilisés dans un contenant spécifique. Donc, un sac en plastique propre et refermable, par exemple, un sac de congélation zippé sera très bien. Voilà. OK. Merci, Emmanuel. On a répondu à quelques questions ici, ce qui ne va pas du tout nous dédouaner de de répondre à vos questions après. C'était juste pour élaguer les grandes questions avant. Docteur Weber, est-ce que vous pouvez nous rappeler les bonnes pratiques qui s'imposent à nous ? Je à la fin, puisque vous l'aurez compris, je ne supporte pas les communications autour du masque qui pas du reste. Donc voilà, le trio, il est là. Les gestes barrières, le lavage des mains, le fait de ne pas tousser comme on toussait avant, évidemment. Les gestes barrières, la distance, comme ça, il n'y aura pas de reproche au niveau sémantique. La distance, donc 2 mètres pour ce qui nous concerne, et le masque en complément. Ce trio a vraiment fait la preuve de son efficacité pour permettre de réduire la circulation du virus. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est clairement ces mesures-là qui vont permettre peut-être
d'aboutir à une solution. Restez prudent par ailleurs, évidemment. Ce n'est pas parce que le confinement est terminé que c'est le moment d'aller faire des barbecues géants. Il paraît qu'il est autorisé maintenant, le Conseil constitutionnel ayant censuré la mesure d'organiser des repas de famille à plus de 10 chez soi à la maison. Je vous conseille de rester prudent sur ce genre de choses pendant encore quelques semaines. Voilà, je pense que ce n'est pas le moment, mais là, c'est une remarque tout à fait personnelle. Voilà, gardez en mémoire ce trio gagnant, les gestes barrières, la distance, le masque en complément. Un tout petit rappel pour ce qui est des sportifs, pour vous donner une idée par rapport aux distances donc, qui sont de 2 mètres. 2 mètres, c'est la distance en temps normal. On sait que les gouttelettes sont projetées à plus de 5 mètres lorsqu'on fait un effort correspondant à une marche rapide et on recommande plus de 10 mètres d'espace si on fait du footing. Donc voilà, les 2 mètres, c'est quand on a une activité normale, ne comportant pas d'efforts physiques intenses. Les sources qui nous ont permis de préparer ce diaporama, qui ont permis surtout à Emmanuelle, dont je salue le travail parce qu'elle est vraiment l'auteur principal de ce diaporama, bravo à elle. Voilà, les sources. Et puis, voilà, Gaëlle, je vous laisse la parole. Oui, merci. Alors, merci à toutes les deux pour cette intervention qui a le mérite d'être très claire. Avant de répondre à vos questions qui ont été nombreuses durant ce webinaire, je vais juste prendre un instant pour vous annoncer les webinaires à venir parce que souvent, ils sont complémentaires les uns des autres. Donc, demain après-midi à 14h, nous proposons un webinaire sur le télétravail et l'ergonomie. Bon nombre de salariés ont été propulsés dans le monde du télétravail sans y avoir été préparés. Et donc, on fera le point avec un ergonome et un médecin du travail sur ce qu'on peut vous proposer comme conseil demain à 14h. Lundi, nous aurons un webinaire pour les commerces de proximité, comment réussir leur reprise d'activité en continuant d'assurer la sécurité de leurs clients et de leurs salariés, donc, lundi à 10h. Mercredi matin, nous organisons un webinaire sur la mise à jour du document unique d'évaluation des risques. Qui dit Covid dit mise à jour de votre document unique. Donc, on vous donnera quelques pistes pour faire ça. Mercredi après-midi, à l'heure de la sieste des tout-petits, nous organisons un webinaire à l'intention des professionnels de la petite enfance, qui est un sujet d'actualité avec la réouverture progressive de l'école et des crèches. Donc, mercredi à 14h. Et jeudi de l'Ascension, à 14h aussi, nous proposerons un webinaire aux coiffeurs, sujet aussi d'actualité, puisqu'ils ont été, ils ont réouvert leur salon cette semaine, et c'est un métier pour lequel ils doivent mettre bon nombre de mesures de précaution en place. À venir très très vite, un webinaire sur la prévention de l'impact psychologique et psychosocial du confinement et du déconfinement, j'ai envie de dire. Toutes les infos sur notre site internet dans la rubrique Actualité coronavirus webinaire. Alors, vous avez été nombreux à poser énormément de questions. Marine Geiger, notre ingénieure risque chimique, a répondu au fur et à mesure. Docteur Weber aussi, je me suis permis de répondre également. J'ai repéré quelques questions. Évidemment, je m'excuse d'avance de ne pas pouvoir poser toutes les questions à nos experts. Je vais essayer de faire ça bien. Alors, Damien dit, je viens d'acheter ce matin des masques à usage unique en pharmacie. Aucune norme, aucun marquage sur la boîte et sur les produits. Juste un indice BFE 95%. Le pharmacien est-il en droit de vendre ce type de masque? Alors, je vais prendre la question. Comment vous dire? Si le produit est entré en France, si le produit est entré en France par les filières normales de distribution du pharmacien, a priori, c'est qu'il est normé. Je vous invite quand même à poser la question à votre pharmacien et à lui faire remarquer ce que vous venez de nous indiquer. Mais en principe, un pharmacien n'est pas en droit de faire rentrer un produit et de vendre dans son officine un produit non certifié CE. Merci. Delphine, je ne comprends pas. On nous explique que l'entrée du virus se fait par le nez, la bouche et les yeux, mais un masque n'empêche pas l'accès par les yeux. Ah oui, bien sûr. C'est évident. C'est pour ça qu'il faut l'associer au lavage des mains et à la distance physique. Alors, Pierre nous dit, si le masque en tissu a été porté peu de temps,
Et sachant que le virus, on se croirait dans une équation d'école, hein, une équation de maths. Alors attention, si le masque en tissu a été porté peu de temps, et sachant que le virus n'est pas actif plus de 24 heures, est-on obligé de le laver à 60 degrés à chaque fois? Est-ce qu'on peut le laisser dans un sac pendant 24 heures seulement? On peut faire la même chose, mais il faut qu'il ait vraiment été porté très peu de temps. C'est-à-dire, le masque en tissu, c'est 4 heures aussi. Hein. Donc, si vous l'avez porté 10 minutes, oui, vous pouvez le mettre de côté dans un sac plastique propre et le réutiliser. Après, quelqu'un a posé la question de savoir s'il était possible de garder tous les masques utilisés dans un sac plastique pendant 24 heures et de les réutiliser ensuite. Si les masques ont été portés plus de 4 heures, ça devient quand même franchement pas très hygiénique. Donc là, il faut laver les masques. Si vous les portez, les gardez individuellement, vous avez porté 10 minutes, pourquoi pas. Mais faites attention quand même. Voilà. N'allez pas au-delà des 3 heures, 3 heures et demie. Alors, je cherche une question. J'ai vu passer des questions sur les élastiques. Oui, c'est quelque chose qu'on a vu croiser les élastiques d'un masque chirurgical pour éviter la formation de buée sur les lunettes. Alors, a priori, il ne faut pas croiser les élastiques d'un masque chirurgical parce qu'on génère de côté une entrée d'air. Donc, il faut effectivement bien ajuster la barrette nasale. Il y a des solutions anti-buée qui sont vendues également par les opticiens qui permettent de limiter la formation de buée. Un petit truc qui semble marcher aussi, c'est de tremper les lunettes dans de l'eau savonneuse et de ne pas les essuyer, de les laisser sécher. Et ça limite également la formation de la buée. Je ne sais plus, Emmanuel, vous en aviez trouvé un autre, je crois, ou alors on n'avait que celui-ci. C'était savon et mousse à raser également. Savon et mousse à raser, voilà. Mais voilà, puisque maintenant, vous allez tous vous raser, vous aurez de la mousse à raser à la maison. Et ce qui est important, c'est de bien l'ajuster à la barrette nasale ou d'insérer ce qu'ils appellent un pince-mille. Donc, il y a des fabricants français qui se sont lancés dans cette conception. Voilà, c'est d'insérer effectivement cette petite arête nasale. J'ai une question sur l'étanchéité du masque. Comment parler d'étanchéité du masque sur le visage quand on voit qu'il ne comporte pas d'élastique pour les plaquer de tous les côtés, hein? La question de l'étanchéité, c'était de tester avec une feuille plastique devant et d'inspirer pour vérifier que la feuille plastique se plaque bien sur le visage et que donc l'étanchéité est au minimum assurée au niveau des voies aériennes. J'ai quelqu'un qui posait la question du jogging et de savoir ce qu'on fait quand on croise un autre coureur. Je vous avoue que je ne sais pas. Alors, personnellement, je suis très sportive et très douée, donc j'arrive à rester en apnée pendant 10 mètres, mais je ne suis pas sûre que ce soit une solution. Mais voilà, en gros, il faut quand même éviter d'aller courir sur des parcours où vous allez croiser plein d'autres joggeurs, puisque les 10 mètres, c'est établi. Hein. C'est un avis du Haut Conseil de la Santé publique pour les coureurs et 5 mètres pour la marche rapide. Sylvain demande, doit-on tousser dans notre coude, même avec un masque? Ça devient difficile puisque oui, alors en principe on essaye d'éviter en tousser dans votre coude, c'est pourquoi, c'est pour éviter de projeter les gouttelettes à l'extérieur. Quand vous toussez avec un masque, vos gouttelettes à vous vont en principe être arrêtées par le masque. Si vous rajoutez le coude sans toucher le masque avec votre coude, vous empêchez encore en plus l'émanation de la sortie des gouttelettes, mais en principe, quand on tousse, le masque retient lui-même les gouttelettes. Si vous toussez souvent, il faut changer de masque plus souvent que toutes les 4 heures. Il y a une question au tout début de webinaire, j'ai perdu le prénom de la personne, pardon, qui demandait pourquoi un masque à partir de 11 ans. Ah, c'était dans les transports publics. Oui, c'est la loi. C'est parce qu'on considère que les enfants plus petits ont du mal à porter un masque longtemps sans le toucher. Voilà. Donc, le gouvernement a fixé 11 ans. Je crois qu'à l'école, ils ont fixé pareil 11 ans. On considère qu'à partir de 11 ans, un enfant est capable d'utiliser un masque correctement. Il y a des masques plus petits. Hein. Si vous arrivez à faire porter un masque à votre enfant plus petit et qu'il ne le touche pas trop souvent. Voilà. Quelqu'un a posé aussi à un moment la question de finalement, quand j'ai dit qu'il fallait malheureusement se brouiller avec belle-maman et remiser les masques non normés, de finalement un masque non normé, c'est mieux que rien. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que sur des études qui ont été faites, alors on parle d'un autre virus, le virus de la grippe, et donc il faut qu'on cesse de comparer le coronavirus avec le virus de la grippe puisqu'on a vu que ça… Finalement, ça nous a conduit à pas forcément des choses très sérieuses au départ. Mais toujours est-il que les études qui avaient été faites sur le virus de la grippe et le masque tissu non normé prouvaient qu'on finissait par accumuler beaucoup plus de virus dans son masque non normé, hein,
beaucoup plus de virus que si on n'avait finalement pas eu de masque et le personnel soignant qui portait des masques en tissu pour la grippe se contaminait plus facilement que de ne rien porter du tout. Donc voilà. Donc je dirais qu'aujourd'hui, on a quand même la possibilité, même si c'est encore difficile, hein, mais de trouver des masques normés, on va en trouver de manière de plus en plus couramment et très vite, vous allez en trouver dans tous les commerces, j'en suis certaine. Il faut cesser avec les masques non normés. C'est quelque chose qui a été très utile au tout début parce qu'il n'y avait rien d'autre. Et maintenant, je pense qu'il faut, remettre les choses un petit peu dans l'ordre et partir sur des masques normés et étiquetés. Corinne demande, s'il existe plusieurs tailles de masques. Comment savoir quelle taille choisir? Vous avez... Emmanuel, vous voulez répondre? Oui, effectivement, il existe plusieurs tailles et également modèle homme, modèle femme, aussi, voilà. Et modèle junior également pour enfants. Hein. L'essentiel, c'est que ça couvre votre visage, effectivement, toutes les voies aériennes. Alors, tout à l'heure, docteur Veva, vous parliez de vernis aux mains prohibé durant l'été, pas de barbe, on a bien compris, j'imagine que ce n'est pas toujours les mêmes. Du coup, faut-il également ne pas porter de bagues, de bracelets, de montres? Pour un bon lavage des mains, oui. Oui, un lavage correct des mains se fait sans bijoux, sans vernis, etc. Voilà. Clarisse demande si le port du masque est recommandé lorsqu'on travaille en bureau. Alors, je dirais qu'il n'est pas obligatoire si vous êtes à plus de 2 mètres de la personne qui est dans le même bureau que vous, mais que ma foi. Qui peut le plus, peut le moins. Est-ce qu'il faut mettre une... Sophie demande s'il faut mettre une paroi en plexi, du coup, entre les personnes pour éviter de porter le masque. Ça peut être envisageable, oui. Après, si on est à plus de 2 mètres, dans un bureau dans lequel on ne fait évidemment pas d'efforts physiques, ça ne devient pas obligatoire. C'est évidemment très, très, très conseillé dans tous les lieux d'accueil du public. Hein. Là, effectivement, le plexi devient indispensable. Je crois qu'il n'est pas obligatoire non plus, hein, mais vraiment indispensable. Je reviens sur les masques, la norme AFNOR et puis la barrette. Du coup, Sandrine nous dit, j'ai acheté des masques grand public AFNOR S76001, mais ils n'ont pas de barrette nasale. Du coup, vous en pensez quoi? Sont-ils efficaces? Doit-on compléter par une visière? J'ai un peu du mal à voir, enfin, il faudrait que je vérifie, mais a priori, la norme AFNOR prévoit la barrette nasale pour ajuster, hein, donc à vérifier, on vérifiera. Mmh. Ok. Mmh. Je vais prendre une dernière question et puis je vous proposerai de terminer là-dessus. Patricia demande, pour les masques FFP2 ou FFP3, peut-on les asperger d'alcool pour les remettre le lendemain? Non, vous ne voulez pas répondre. Non, je... C'est non. C'est non. Soyons clairs, non. C'est non. Le lavage à 60 degrés une demi-heure, voilà, qui garantit. Non, elle était sur les FFP2 et FFP3. Ah oui, Les FFP2, on les jette au bout de l'utilisation. Oui, oui. Et pour ce qui est des FFP3, il y a des procédures de nettoyage. Voilà. Mais asperger d'alcool, il faut aller plus loin dans la procédure de nettoyage. Là, il faut voir avec le fabricant et le fournisseur. Alors, merci à toutes merci à nos expertes pour ces réponses très, très claires. Et alors, je vais juste faire juste revenir rapidement sur les sondages, puisque j'ai lancé 2 sondages durant le webinaire. Merci d'y avoir répondu. En vous demandant si vous étiez en possession de marque AFNOR, et je suis très surprise de lire que vous êtes plus de 60% à ne pas avoir de masque AFNOR. Ok. Oui, puisque je vous l'ai dit, c'est des industriels hein, qui sont en train de lancer la production, qui sont en train d'en diffuser. Hein. Il y a plusieurs industriels d'ailleurs même de la région qui se sont lancés dans la fabrication. Mais voilà, la demande est telle que c'est très compliqué de s'en procurer encore. Je pense que ça va se débloquer dans les semaines à venir. Il faut attendre un peu. Ça va se débloquer dans les semaines à venir et dans les semaines à venir, les masques AFNOR vont apparaître partout. De nombreux industriels qui, même certains qui ne fabriquaient pas de masques se sont lancés sur le site d'AFNOR. On recense, je crois, 40 ou 50 industriels qui ont fait tester leurs masques et qui vont se lancer dans la commercialisation grand public. Donc, ça va venir. Un peu de patience encore. Oui, un peu de patience. Et donc, pour les personnes vulnérables, si vous n'avez pas de masque AFNOR,
voilà, je déconseille personnellement aux personnes vulnérables de sortir aujourd'hui sans masque. Le deuxième sondage portait sur le port de masque pour faire les courses alimentaires, parce qu'on ne voit pas tout le monde encore avec des masques dans les grandes surfaces. Et je suis surprise de lire que, on va dire, 30% ne portent un masque parfois ou jamais, en fait. Il y a quand même 30% de personnes qui ne portent jamais de masque. Il est difficile d'imaginer avec le relâchement des mesures et le fait que je ne sais plus s'il faut dire la fin du confinement, le début du déconfinement. Enfin, voilà. Il est difficile d'imaginer que les commerces vont rester aussi déserts que ce qu'ils ont été pendant la période de confinement. De plus en plus. Alors, les commerces appliquent des mesures également, mais les gens vont inévitablement finir par se croiser à nouveau parce qu'ils vont faire des allers-retours, parce qu'ils vont être moins vigilants. Moi, je conseille vraiment maintenant le port du masque dans les commerces. Et là aussi, de manière aussi à éviter d'aller par soi-même déposer des gouttelettes sur des surfaces. Dans un commerce, vous ouvrez la vitrine des surgelés pour prendre des surgelés à l'intérieur ou la vitrine du réfrigérateur, vous pouvez exhaler des postillons, des gouttelettes sur cette surface-là. Et donc, on va poursuivre la transmission. Donc, le port du masque nous paraît de plus en plus nécessaire pour ce type de situation. Je voulais insister aussi parce que j'entends souvent des gens dire « Oui, mais j'ai croisé ou j'ai croisé des gens avec un masque dans leur voiture. Est-ce qu'il y a besoin d'un masque quand on est seul dans la voiture ?» C'est vrai que moi-même, au début de la crise, je me faisais la réflexion et je me fâchais assez au moment où les masques chirurgicaux étaient vraiment indispensables chez les soignants et où c'était la crise, notamment dans les EHPAD, où on n'avait pas assez de masques pour les soignants dans les EHPAD. Et je me fâchais très fort quand je croisais quelqu'un qui, tout seul dans sa voiture, portait un masque chirurgical. Cela dit, on vous a dit qu'il fallait éviter de manipuler trop souvent le masque. Donc, si on part pour aller faire des courses dans plusieurs commerces, par exemple, et qu'on se déplace en voiture, plutôt que de remettre et d'enlever son masque, autant garder son masque quand on est seul dans sa voiture. Après, quand on quitte le travail, par exemple, le soir, et qu'on va pour rentrer chez soi, il est parfaitement inutile de garder son masque si l'issue est d'arriver à domicile et de rentrer chez soi. Mais donc… On peut être amené à voir des gens qui ont leur masque dans leur voiture parce qu'ils ont plusieurs trajets à faire et qu'il faut éviter de manipuler le masque trop souvent. Très bien, merci. Mais il me reste à vous remercier tous, à remercier Emmanuel, Michel Weber, à remercier Marine Geiger qui a répondu à vos questions écrites. Et puis à tous vous remercier, vous qui avez participé à ce webinaire, vous qui avez interagi avec nous. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Prenez soin de vous, soyez prudents et maintenant que vous savez faire, portez bien votre masque. Lavez vos mains. Lavez vos mains, évidemment, avant, après, pendant. Le replay et le diaporama seront disponibles d'ici une heure sur notre site internet www.asp67.org. Eh bien, au plaisir de vous revoir. Merci, au revoir. Au revoir.